Valet, valet, prête-moi ton fusil. Valet, valet, prête-moi ton fusil. On veut dire nous les pieds fonds dans le site de l'île de la Réunion et nous les chez le dernier grand moun du Maloya réunionnais, Michel Sophie, connu sous le nom de Grand Moun Selo. 35 ans de Maloya scénique à son actif, mais nous va dire plus de 66 ans, bientôt 67 ans de Maloya, Maloya véritable, parce qu'il est né en 1949. Saint-Louis, et il a grandi dans Calbanon, le camp Le Gol, à côté de la dernière usine de Cannes-Pénéna dans le sud. Grand Moun Selo, avec qui il travaille plus ou moins maintenant, parce que le temps il passe, et chacun a ses obligations, qu'il travaille avec lui depuis plus de 10 ans, et permettre à lui de faire valoriser le patrimoine de la troupe Roseda, un des troupes les plus célèbres du Maloya réunionnais. Grand Moun Selo, c'est le Maloya traditionnel le plus roots, on va dire, qui reste à l'heure actuelle avec des trois petits grands mouns qui nous ont encore dans le sud. On a un peu plus vieux qu'il, on a Pierre Mavuri, on a encore les frères Lagarigue, on a Chironé Paul et les Ara qui jouent un peu Maloya mais qui les mélangent un petit peu avec folklorique. Grand Moun, c'est une partie du dernier carré des Maloya historiques de la Réunion. Et le Maloya, la manière qu'il chante, c'est une identité vocale, c'est un feeling bien particulier. On fait moudier, on entend la voix, on dit à sa Grand Moun, c'est l'eau, ça, un petit caille de laine, il sort au gol. Et nous reconnaît tout de suite parce que c'est un Maloya roots, un Maloya authentique, chanté avec les tripes comme il chante Maloya normalement. Maloya, il ne chante pas avec, comme si on chante pas comme si on avait un micro de demain, ça. Parce que Maloya, sans micro, il doit chanter. Le micro, il est là qu'on met sur le podium pour calmer les ardeurs, mais chanter Maloya, c'est un monde gay, cassé, gosier la ferraille. Le Grand Moun Selo, c'est le gosier la ferraille Maloya par excellence. Moi la sort de la case, moi la dit nénène fait dodo baba. Ote quand nénène téléphone à moi, il a dit baba li ve pi dodo. Ote à moi la sort de la case, moi la dit nénène fait dodo baba. La téléphone à moi, il a dit baba li ve pi dodo. Côté point d'affaire, moi la bien aimé, côté, mais côté de. Ben comment t'étais mon maman? T'étais mon maman, mais ils ont passé, oui, quasi zénès, mon égal. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen, fais dodo baba. Ati baba, il veut pas dodo. Ati nenen fait dodo baba. Ati baba il veut pas dodo. Ati baba veut pas dodo. Ati baba il veut pas dodo. Ah oui, ti baba veut pas dodo. Ati baba il veut pas dodo. Ah oui, ti baba veut pas dodo. Ati baba il veut pas dodo. Joli. On est où la santé là? Ça, quand on ne connaît pas Maloya là. Et tu vois Maloya un peu comme ça, les jolis, nan a boum boum, ils sortent en l'air, nan a costume dans la toile, nan ici, nan là-bas, sur le podium, nan a fait la pièce théâtre, comme qui dirait. Mais le Maloya, même longtemps là, à où là, où l'est né Saint-Louis, dans le capital de Maloya, la Réunion, la Mecque, le Maloya, comment était un cabaret longtemps là? Il n'avait pas que matériel, il fait cinéma, comme, pardon, le mot cinéma, mais tu étais fait le jet de scène comme là, ou sinon. Et qu'elle roulait un petit Maloya dans la cour le samedi, là, pendant une semaine, dans la cour le samedi soir. Et quoi il fait Maloya dans la main? Comment il fait Maloya? Ben, Maloya était fait à l'époque, dans les générations 60, même bon, avant les générations 60, tu veux bien, jusqu'à. Bon, après, faire un mesure, bon, à mettre quelque chose dedans pour dire, bon, on n'a plus de matériel. Mais le Maloya est fait avec un rouleur, un sati. Et quand on y arrive, on va avoir un temps, mettons, c'est pas trop ça, un truillon, on va attraper un bout de le fer, il fait un truillon. Et bien d'ailleurs, il y a la musique, ça même. C'est ça le matériel plus principal. Rouler, sati,
Et puis bon, comme il dit, bon, il arrive à avoir un petit carillon, mais pas tout le temps encore. Mais après, tu travailles avec la voix, la main, avec l'organe, tu veux bien. Tu n'avais pas tous ces matériels, comme là où Adjembe, et Kungas, paquet d'affaires, avec point. Comme là, il met ça, bon, midi, pour en servir, c'est la mode, pour en servir, remplir un peu podium, pour dire une autre chose. Bon, au niveau de le matériel, et au niveau de l'île danseuse, où, bon, danseuse, c'est pas besoin de costume, danseuse. Mais l'île danseuse, pour ça, il y avait un petit casaque. Rayé, tu dis sa toile Zéphir ou bien sa toile Bussy, fallait rayer grandement, c'est un petit volant là, son capeline sur son tête, et bien c'est ça la danse traditionnelle. Il rentre comment? Un dame cavalier ou il danse comme Koumela là? Ah non, mais c'était danse comme Koumela là, comme dit le patron, un coup de pied, il y a les oreilles là, un dame, un cavalier. Là, il tourne, avec des mots par exemple, là, il peut aller deux temps, mais quand un père peut danser là, t'as l'air. Un parabas encore, il gratte, c'est pas un bouc, son corps, il gratte, il veut danser. Quand il a rentré, il peut danser là. Sa bouc peut danser là, il dit qu'il. Lui, ça va, il donne la place. Là. Un madame aussi, t'as l'air, il a envie de danser. Quand il rentre là, votre madame peut danser là, qu'il dit ça va, il assise devant. Il assise, il sent, il bat de la main, il dit, ça va cacher, mais il donne l'ambiance. Mais tu danses pair par pair. Pas question de dire, comme là. Quand il sent un maloya, il se bat tous ses mélanges. Tout ça, t'en l'air comme d'un bat de nuit, par contre, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Ben, et au même point là, où avant, tu dis à moi, comme là, il dit maloya, mais avant, dans le site, toujours, tu appelles ça cabaret. Mais vrai ou pas vrai? Oui, tu appelles cabaret. Bon, ben après, bon, il durait peut-être en 75 environ, à partir de là. Là, comment on parle par un petit peu le mot maloya, mais il pense que. Le mot maloya, la métisse ça avec un petit peu le modèle des Simauriciens, parce que déjà le costume, bon, déjà, il ne faut pas me rendre contradictoire, parce que déjà, Rosedda, on était à flair. Mais ça était un peu. Mais c'était à l'époque aussi, c'était un mode à l'époque aussi. C'était un mode à l'époque aussi. Mais avant, tu appelles ça cabaret. Oui, le mot était cabaret, pas le mot maloya. Maloya, tu ne connais pas ça. Après, il dit le mot maloya. Tu dis, ah, bon, mais ça cabaret. On dit, mais ça cabaret, bon, ben, là, c'est pas. Et tu fais cabaret, mais ça cabaret. C'est bon pour la question là? Impeccable. Super.